Le répertoire musical du hip-hop gabonais vient d'enregistrer l'arrivée d'un nouvel album de 7 titres produit par l'artiste gabonais Shadé Movono. Il s'agit de Toda du Gabon, qui signifie « rendre grâce » avant d'avoir reçu la promesse. Lors d'une conférence de presse à Libreville, l'artiste est revenu sur la symbolique de la jaquette de son album. La symbolique autour de la jaquette est très belle. C'est l'aigle qui représente la hauteur, le buffle qui représente la force, le lion qui représente la puissance et l'homme qui représente la puissance. Donc vous avez en ces quatre êtres le dessin de celui qui est trois. Après trois albums, Shadé Movono a décidé de mettre fin à sa carrière musicale. Un choix mûrement réfléchi par celui qui se consacre désormais à l'entrepreneuriat et à la production. La raison principale, c'est parce que je dois me concentrer totalement à autre chose. Les petites recherches que j'ai faites, études, m'ont permis de comprendre que lorsque tu as un objet de passion, qui te passionne énormément, il est difficile d'aller là où tu dois aller. Il y a une différence entre ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire. Pour donner une touche particulière à son album, une reprise du titre « Retour à la source » de Pierre Claver à Kendengue figure dans son répertoire. Jeunesse consciente de l'avenir du Gabon, nous avons décidé de... J'ai eu la grâce d'être reçu par le patriarche Pierre Claver à Kendengue il y a quelques jours et je voulais lui présenter cet album et pour qu'il me donne son avis. Dans cet album, j'ai rendu hommage à ce patriarche, nous avons remixé, nous, La fin de sa carrière musicale ne signifie pas la fin de sa relation avec la musique. Shadé Movono est désormais producteur et encadre déjà de nombreux artistes.